Je suis ici avec Yves Astafef de Mitsubishi, donc ici à Amsterdam ISE 2007, qui va nous faire une présentation du nouveau modèle HD de Mitsubishi, qui est ici, qui a attiré beaucoup de monde ici au salon. Yves, peut-être une caractéristique technique et tous les avantages du produit qui a fait en sorte qu'il y avait un tas de monde depuis tout à l'heure. Bonjour. Alors effectivement, ce produit a été mis sur le marché depuis très peu de temps et il a rencontré un succès absolument extraordinaire puisque je dirais c'est un des premiers appareils du marché Full HD, donc avec une résolution native de 1920 points par 1080 qui permet donc de traiter le marché home cinéma avec une qualité absolument exceptionnelle qui n'était pas atteinte aujourd'hui. Alors on a un produit qui présente des caractéristiques excellente puisque le taux de contraste est important. Le produit est absolument silencieux. On a un produit qui fait 19 dB en termes de rapport signal à bruit, c'est absolument très très bas. Et puis on a un produit surtout qui économiquement est abordable puisque le produit est placé à moins de 4000 euros TTC. Donc on a un produit, je dirais, qui présente des caractéristiques haut de gamme pour un prix extrêmement compétitif. En fait, ça utilise des technologies 3 LCD en fait, c'est ça? On est sur technologie tri-LCD absolument, qui présente un avantage certain, je dirais, un avantage de traitement colorimétrique réel. C'est-à-dire qu'on a un traitement rouge, vert, bleu réel, c'est-à-dire qu'on n'a pas de reconstruction fictive de la colorimétrie. Pour nos lecteurs, effectivement, on a fait un clip avec Stephen Hartman qui parle de technologie 3LCD. Donc j'invite nos lecteurs d'aller voir ce clip pour comprendre mieux la technologie, pourquoi c'est un avantage très important. Et pour les autres, allez voir le magasin le plus proche, comparer et regarder au point de vue qualité-prix. C'est un produit exceptionnel. Vous ne serez pas déçus. Okay. Merci beaucoup Yves et à très bientôt. Je vous en prie, merci. Au revoir.